Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler Save the Dragon, qui est une nouveauté chez Blue Orange. On est sur un jeu à partir de 5 ans, pour 2 à 4 joueurs et pour des parties d'environ 15 minutes. 5 ans, on peut même descendre en dessous. Mon fils va avoir 3 ans, il a réussi à jouer au jeu. Alors, il n'a pas encore bien compris, même s'il essayait déjà de faire des pièges à ses frères. Mais 5 ans, 3 ans, il a commencé. Bon, j'ai habitué un petit peu à jouer, hein, mais il a déjà un petit peu compris les choses. Donc, on peut descendre un petit peu en dessous pour pouvoir y jouer. 4 ans, je pense que ça peut passer. Au niveau de l'auteur, on est sur Frédéric Moyerson et Stivo au niveau des illustrations. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Vous allez voir que la mécanique est assez simple. Alors, on a un gros plateau ici avec un élément en 3D. Il faut savoir que cet élément-là, ici, je ne vais pas le démonter. Mais voilà, cette partie-là, vous ne la démontez pas à tout l'escalier. Pour pas dire qu'à chaque partie, il va falloir tout enlever. Ce qu'il faudra enlever, c'est cette partie-là, ici, le support. Là, ça s'enlève. Hop, et vous redémontez deux parties que vous remettez dans la boîte. Et c'est tout. L'escalier, vous ne touchez pas, il est rangé, plié. Et vous remettez la mise en place en 30 secondes, allez, une minute. C'est réglé, vous l'avez mis en place. L'objectif est simple, il va falloir essayer de sauver le dragon. Pour sauver le dragon, il va falloir tout simplement, avec son pion, monter tous les escaliers et passer ici sur passer la porte. Dès qu'un joueur aura franchi la porte, il aura tout simplement gagné la partie. Et on le prend enchaîné sur une deuxième partie. Voilà pour l'objectif. Maintenant, comment ça va fonctionner? C'est assez simple. On va avoir ici 2 dés. On va d'abord lancer toujours le petit dé. Le petit dé va vous donner en fait le nombre de cases que vous allez vous déplacer. On lance le dé et suivant le résultat, donc là 3, vous allez voir que vous pouvez voir qu'il y a une face orange. Donc cette piste-là, bien sûr, n'est pas dans la boîte, c'est une piste à dés. Donc 3, ça veut dire que vous pouvez avancer de 3. Quand vous vous déplacez, vous pouvez toujours vous déplacer en montant et à la droite ou à gauche. Jamais en diagonale et vous ne pouvez jamais reculer. Donc là, je pourrais me déplacer de 3, donc je ferai faire 1, 2, 3. Et c'est au joueur suivant, puisque le orange ne déclenche rien d'autre, donc il y a deux faces orange. Si j'étais tombé sur le 1, on va prendre le prochain joueur, voilà, il va faire 1. Donc on va dire au prochain joueur, c'est le jeune. Sauf que je n'ai pas dit, c'est qu'ici, on a trois rangées. 1, 2, 3. On ne peut jamais être à 2 sur la même case. Donc il faudra vous déplacer, et les déplacements, tant que vous pouvez les faire, vous devez les faire. Vous ne pouvez pas dire, je m'arrête. Donc là, j'ai 1. Donc on va dire, le joueur jeune pourrait très bien venir se placer ici, ici, voilà, il va venir se placer par exemple ici. Et ensuite, donc là, comme vous pouvez voir, vous avez un symbole en fait avec la couleur derrière qui est bleu ou jaune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez lancer le gros dé action derrière. On lance le gros dé action et là, il va se passer quelque chose. Vous allez avoir cette action-là. L'action-là, ça permet de faire quoi? Ça permet tout simplement de bouger la porte. Ce qu'on n'a pas vu ici, c'est qu'on a trois portes et on a trois sorties possibles et on a une porte. En faisant ça, on déplace tout simplement la porte sur une autre sortie. Donc, ça permet en fait de bloquer une sortie et d'éviter, vous allez voir après, de vous protéger contre d'autres événements qui peuvent arriver. Ou on peut déplacer ici le bouclier. Donc, le bouclier sur le milieu, vous avez des croix, donc ils peuvent aller dans les deux directions. Et sinon, après, vous pouvez le mettre dans autre chose. Donc, par exemple, si j'étais le bleu, j'aurais très bien pu dire, moi, je vais mettre ici quelque chose comme là pour un peu me protéger. Parce que vous allez voir, l'autre action possible qui va être, ça va être de tomber sur cette phase là jaune avec une pierre. Et la pierre, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement cette bille que vous allez lancer dans une des deux fenêtres qui est porte qui est ouverte, pardon, et vous lâchez. Et là, si il y a un pion qui arrive et qui était là, maintenant là c'est les yeux du bas, hein, qui est tombé, bien sûr. Hop, on va essayer de le faire tomber. Bon, il n'y en a pas eu. Il serait tombé. Donc tous les pions qui tombent restent tout en bas. Donc là, ça permet éventuellement de vous protéger. Et du coup, vous êtes obligé de recommencer, de passer l'escalier. À partir du moment où vous tombez, suite à l'écoulement de la pierre, vous allez pouvoir récupérer une pièce. Les pièces, vous pouvez en avoir jusqu'à 3 devant vous. À quoi vont servir les pièces? Tout simplement avoir des déplacements supplémentaires. Donc, à mon tour de jeu, j'ai 2 pièces. Je suis joueur violet. Je lance mon dé. Je lance mon dé action de mouvement. Hop, je fais 3. 1, 2, 3. Et il me restait 2 pièces. Je vais dépenser mes 2 pièces. 1, 2, et j'ai pris la sortie. La partie est terminée. Donc, dedans, c'est un petit jeu familial. Pour jouer avec les enfants, ça marche très bien parce qu'on va s'amuser à déplacer ça. On va s'amuser à tout prix à essayer de faire tomber nos adversaires.
et puis de bouger les, enfin, et de bouger la porte, ainsi de suite. Donc ça marche vraiment très bien, les parties durant 5 minutes. Je vous dis, c'est accessible parce que même en dessous de 5 ans, ça passe très bien. Les parties durent moins de 10 minutes. Après, c'est sûr qu'à un moment ou à l'autre, des fois, on peut tout retomber. On était pas loin de la sortie, puis tout le monde redescend. Donc voilà, c'est le côté un petit peu marrant. Et puis à l'inverse, on va tout prévoir quelqu'un, le faire tomber, puis finalement, ça bifurque sur autre chose, c'est une autre pieuvre qui tombe. Donc il y a vraiment des petites... Pour les enfants, ça marche vraiment très très bien parce qu'il y a des fous rires qui peuvent se déclencher. Et puis, il y en a qui peuvent un petit peu râler aussi parce qu'on s'acharne un petit peu sur leur sort. Donc voilà, pour essayer de vous montrer un petit peu, hop, l'effet ici 3D. Par contre, surtout, n'appuyez pas trop sur... quand vous les placez, vous posez les justes. Les enfants ont tendance à être un petit peu brusques. Et puis, des fois, vous allez faire tomber les autres pions. Vous les remettez, hein, mais vous allez un petit peu les faire tomber. Donc, faites un petit peu attention à ça. Donc, c'était Save the Dragon, la nouveauté de chez Blue Orange. Un petit jeu pour jouer avec les enfants. Très accessible, je vous dis, 4 ans, voire même 3 ans. Si vous avez vraiment l'habitude de jouer avec, vous allez voir qu'il va savoir faire les choses. Il va peut-être pas tout maîtriser, les petits pièges qu'il va vouloir essayer de faire, mais ça peut quand même bien marcher. De Frédéric Mélenchon et Stivo au niveau des illustrations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait, me laisser des commentaires. Et sur ce, je vous dis à ciao, bye bye pour une autre vidéo.